Ça n'est plus un secret pour personne, Jalil Lesper et Laetitia Hallyday sont fous l'un de l'autre. Anniversaire Saint-Valentin, ils passent tout leur temps ensemble et le réalisateur semble bien avoir fait oublier Johnny dans le cœur de Laetitia. Si la jolie blonde a bien évidemment le droit de refaire sa vie, les fans ont encore du mal à accepter que Jalil ait pris la place du rocker. Cette semaine, Jalil publiait une photo sur son compte Instagram, une photo au volant d'une voiture cabriolet assez cobra. Mais ce qui a mis le feu aux poudres, c'est que cette voiture appartenait à Johnny, un bolide qu'il s'était offert en 2016. Les fans du chanteur ont donc fait part de leur indignation en commentaire. Il n'aura jamais la classe de Johnny. Ou encore... Pauvre Johnny, il ne méritait pas autant de mépris. Pourtant, Laetitia avait confié dans une interview que Johnny tenait énormément à cette voiture et qu'elle ne la vendrait jamais, la qualifiant comme... la voiture de ses rêves. Alors Jalil Lesper au volant de la voiture de Johnny choque les fans du rocker. Comprenez-vous leur colère? Alors même sur le plateau, je peux vous dire qu'il y en a que ça a profondément choqué. Moi, je vous dis, j'aurais la chance d'avoir une femme qui a des voitures d'un défunt mari. Mais oui. Je les prends toutes. Oh, bien sûr. Non, mais c'est absolument scandaleux. Oh, donc, ils sont ensemble depuis 3 jours, elle change de mec tous les 5 mois. Et à chaque fois, monsieur va se trimballer avec les voitures de, voilà. du Dieu, c'est de notre honteux. Dieu à tous, Johnny Hallyday. Mais touche pas aux voitures. Non, mais déjà, touche pas aux voitures. Non, mais moi, personnellement, touche à la bonne femme, mais pas à la bagnole. Attends, les voitures, elles étaient à Johnny, je suis d'accord. Mais. Elle est, bon, elle est plus avec lui, la voiture. Il est plus là. C'était un grand monsieur, etc. Je veux dire, s'il vit dans la maison aussi avec. Bah oui. Non, mais tu te mets pas sur Insta, alors. Jean-Pascal, tu te mets mais pas alors, sur Insta. Mais alors, ça veut dire quoi? Alors, elle a plus de mari, elle vit plus parce qu'elle appartenait à Johnny. Mais c'est pas mais les fans, attendez, mais les fans, je suis d'accord, vous avez tous aimé Johnny. Moi, j'aimais Johnny. Pas plus que ça, j'aimais ses chansons, mais j'étais pas un fan. Mais c'est pas parce que quelqu'un roule dans ses bagnoles. Et si elle la vend, la voiture, quelqu'un d'autre va rouler dedans. Ça choquera moi, les fans. Bah, n'importe quoi. Bah, vous, voilà. vous, ça vous choque? Ah, bah, ah non, mais moi, ça me choque pas du tout. Moi, ça me choque pas du tout. Moi, je me dis que c'est normal, les fans, ils sont assez. C'est comme les tenues, elles sont vous comprenez les fans? Oui, moi, je comprends à 100% les fans. Il y a un moment... Oui, bah si, il ne faut pas tordre la bouche, c'est la vérité. Alors, vraiment, il faut pas tordre la bouche. Oui, alors, mais oui, mais... Non, mais parce que, en fait, je les comprends parce que ça restera... Laetitia, elle restera toute sa vie avec cette image de Johnny. Il faut qu'elle comprenne ça. Donc, les voitures, franchement, ça ne se fait pas. Est-ce que ça, c'est pas aux gens de comprendre aussi c'est que ça. Les gens ont une vie. Parce que ça peut foutre aux gens, en fait, surtout. C'est qu'elle est avec quelqu'un. C'est dans le symbole. Oui, c'est le symbole, d'accord. Tout le monde a résumé que par rapport à Johnny. Bah oui. Ok, c'est le symbole, mais et après? Et alors, il honore peut-être. Attendez, il y a d'autres bagnoles au garage, il y a la Bentley. Oui, il y a et la les Santiago, et ça va être quoi après la veste? Est-ce qu'on dire qu'il n'a pas fini de se marrer, Jalil, là-bas? Non, hein, et alors? Il y a les motos aussi. Moi, je suis profondément choqué. Je vais vous dire pourquoi. Je suis profondément choqué. Parce qu'il y a une phrase qui dit: les morts continuent à vivre dans le cœur des vivants. Et moi, je trouve que c'est profondément scandaleux. C'est un proverbe indien, ça? De quoi? C'est un proverbe indien. C'est Jean Cocteau. C'est Benjamin Souchon. Et du coup, voilà. Et moi, je trouve ça profondément scandaleux parce que Johnny n'a pas donné son accord pour qu'il prenne ses voitures. Il faut respecter les morts. Je suis désolé. Comment tu veux donner son accord? Comment il peut? Mais il aurait dû les vendre avant. Dans ta logique, si on boit le verre à moitié plein, franchement, c'est un honneur. Tu honores la mémoire de Johnny de conduire dans sa voiture. Le vrai scandale, c'est en réalité, si lui vendait la voiture de Johnny. Là, ça aurait été un scandale. Il ne peut pas. Parce qu'il la prend avec les dettes. Ça revient encore plus cher que la bagnole, je crois. Excusez-moi, le problème, en fait, je crois que c'est Jalil Lesper. En fait, il a commencé déjà, quand on l'a vu se recueillir sur la tombe, c'était assez indécent. Ça, il peut. Maintenant, d'être dans cette... Et c'est cette voiture, vous avez raison, c'est le symbole. Il y a beaucoup de voitures qu'on ne connaît pas tellement. Cette voiture, vous avez montré la photo tout à l'heure. Alors, c'est vrai que c'est la voiture préférée de... C'est un scandale. Donc, il aurait pu choisir un autre modèle. Pourquoi ne pas voir aussi une façon de rendre hommage à Johnny? Mais c'est ça. Pourquoi ne pas dire qu'il aurait été content que sa voiture continue à rouler parce qu'il ne roule pas et une voiture qui s'abîme? Et vous savez à quel point j'ai pas toujours été tendre avec Laetitia, mais franchement qu'elle fasse vivre. Alors, excusez-moi, Johnny était, je le connaissais un peu. Il adorait ses bagnoles, il adorait ses caisses, il adorait ses motos. Et quand on aime les voitures et les motos, il y a une chose qu'on doit faire. C'est les enfants. Eh ben Benjamin, vous m'avez convaincu, je change d'avis. Benjamin, la petite info, j'ai ouï dire qu'il y a une demande en mariage. J'ai ouï dire qu'il vient d'avoir une demande en mariage. Les deux vont bientôt se marier. Ah oui, ils vont bien ensemble. Une demande en mariage vient d'être faite. Il a demandé en mariage. Oui. Il a vu le garage. Hein. Avec l'approbation de Laetitia. Donc attendez, c'est une info. C'est une sacrée info. Donc, Jalil Lesper aurait demandé en mariage. J'ai ouï dire.
Ah, ça y est. Ah, j'ai oublié. Déjà, il se dégonfle. Ah, voilà. J'ai dans la voiture. Je peux même vous dire qu'une demande a été faite sur une plage, qu'avant, il a demandé l'autorisation aux filles de Laetitia qui ont donné leur approbation. Et donc, de là, elle a dit un grand oui. C'est comme dirait notre ami Colombo. Quelles sont vos sources? Un journaliste n'a jamais ses sources, Benjamin. Comment? Un journaliste n'a jamais ses sources. C'est vrai, mais il y a une vraie source. Bon, c'est quand même triste, c'est pour les autres enfants de. Et si quand est-ce prévu pour? Oh, bah là, là je sais pas. Ah, d'accord. Écoutez, moi je vous dis franchement, si elle est heureuse. Mais c'est voilà, ça. Elle est reçue sur la photo, regarde. Oui, mais. Ce que j'ai envie juste de dire, c'est qu'il y a les enfants de Jalil Esper, et pour eux, c'est pas très. C'est pas très gay pour eux, parce que leur papa est très très loin. Donc quand on voit ces images-là, c'est pas très gay. Il se trouve que Rachel est très proche. Moi, je suis très proche de Sonia Roland, qui est qui a un enfant avec Jalil. Et donc, c'est vrai que c'est très, très triste pour la petite fille qui ne voit pas son papa, qui le voit en photo avec les enfants. Moi, mes enfants, ils ne voient pas leur mère, elle est aux États-Unis, ils sont pas malheureux pour autant, il faut apprendre à vivre avec. Je veux dire, c'est pas... Oui, non, mais alors, attendez. Juste, sérieusement, je comprends ce que dit Rachel. C'est vrai que pour le coup, son enfant, il n'est pas très grand. Son papa avec une autre petite fille. Je l'ai vécu et c'est très, très difficile. Mais tout le monde l'a vécu. Quand on a un enfant avec. Ah oui, non, non, moi, je le dis, je l'ai vécu. Et quand on a un enfant avec une personne et que cette personne s'occupe plus de l'enfant de quelqu'un d'autre, je peux pas vous dire la souffrance qu'on a dans le cœur. Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête de vivre alors? Non, je dis pas ça. Je dis juste que le papa doit s'occuper de tout le monde et pas que d'un enfant. Il partage, comme beaucoup de couples aujourd'hui. Non, apparemment, il la voit pas beaucoup. Ben écoute, je savais pas que tu vivais avec eux, que t'étais avec eux en bagnole. Non, bah, écoutez, c'est pas de quoi tu parles. Je sais pas si ça sera la conclusion à tout ça ou quoi. C'est vrai, conclure. C'est vrai qu'effectivement, on a déjà beaucoup cassé de sucre sur le dos de Laetitia. Moi, je crois que si Johnny, il est mort en aimant sa femme et en voulant qu'elle soit heureuse, aujourd'hui, elle a retrouvé le bonheur. On est tous séparés, divorcés. Moi, pareil, mon ex-mari vit de l'autre côté de l'océan Atlantique. À un moment donné, quand les parents, ils se séparent intelligemment, quand ils restent intelligents aussi bien auprès des enfants que de leur ex, tout va bien.